à tous, bienvenue sur rc-tuto.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage colis chez notre partenaire Banggood. Donc on reçoit aujourd'hui quelque chose qui fait un petit peu fureur en ce moment, c'est le WPL D12. Donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Donc au déballage, on retrouve ce petit kit, c'est un châssis 1/10, c'est un châssis totalement en plastique avec une carrosserie ABS qui est peinte. Donc vous avez ici la télécommande, c'est un kit RTR, donc vous avez une télécommande avec deux vitesses de direction et deux vitesses d'accélération, les trims, un on et un off. Donc ça marche avec deux petites piles. Vous avez une petite lipo ici, 14500 mAh en 7V4, une petite batterie qui vous permet de rouler une bonne vingtaine de minutes. Vous avez ici un kit avec le chargeur, un tournevis, une protection de vitre, des autocollants, les rétros et les miroirs, et deux trois pièces, genre une chape et une rotule, une fusée, pardon. Donc ce petit châssis, on vous fait un bref aperçu aujourd'hui. On va approfondir ça en vidéo très prochainement, dans plusieurs vidéos. L'avantage de ce châssis-là, c'est qu'il est bidouillable. Vous pouvez le bidouiller en crawler, vous pouvez le bidouiller en drift. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bidouiller en drift. Vous avez des amortisseurs à lame ici et des amortisseurs avec une tige métallique ici. Il y a un cerveau, un vrai cerveau dedans. Un petit moteur avec une carte électronique qui sert de variateur et de récepteur. Donc, vous trouvez ça chez Banggood entre 51 et 58 dollars. Selon le nombre de batteries que vous avez avec. On vous présentera le châssis entier dans une prochaine vidéo avec un démontage complet, quelques optionnages, il y a pas mal de pièces 3D qui existent, il y a pas mal de pièces qui existent aussi dans le commerce, des combos, des trucs comme ça, donc on va faire plusieurs vidéos sur ça. On vous présente ça bientôt en vidéo plus précisément. Merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt.